Bonjour à toutes et à tous. Moi de même, j'aimerais évidemment commencer par remercier le comité d'organisation et en particulier Marc pour cette très sympathique invitation qui me fait très plaisir. Et je me joins également, j'en profite pour me joindre aux félicitations qui t'ont été faites par Jean-Yves, donc de ces contrées lointaines, et Patrick, par rapport au travail que tu as effectué. Travail, je sais, ô combien difficile et ô combien constructif, utile. Et donc vraiment, je voudrais te féliciter, te remercier pour tout ce travail. Alors, on va effectivement passer de la sociologie à la biologie. Je suis biologiste, donc je ne sais parler à peu près que de biologie. Donc je vais vous donner la vision que j'ai, qui n'est peut-être pas partagée d'ailleurs par tous les biologistes, mais en tout cas c'est la vision d'un biologiste de la médecine de précision en cancérologie que j'aimerais partager aujourd'hui avec vous. Alors vous voyez déjà une différence quand même entre le sociologue et le biologiste, c'est que probablement du fait d'un manque de plasticité cérébrale, et puis aussi peut-être probablement du fait aussi de l'anxiété, je pense, de la plupart des biologistes devant la complexité des processus sur lesquels on travaille. On a absolument besoin de support, de belles couleurs, de beaux schémas. Et donc je vais vous montrer effectivement beaucoup de schémas et de couleurs aujourd'hui pour expliquer donc ma vision de ce processus de cancérologie. Alors, de cancérogenèse, j'entends. Il y a une phrase vraiment pour laquelle j'ai beaucoup d'affection, que j'utilise souvent, qui est une phrase en fait de Paul Valéry, qui dit « ce qui est simple est faux, ce qui est compliqué est inutilisable ». Et c'est vrai que je pense que ça s'applique particulièrement bien au processus de cancérogenèse et à la complexité, en fait, du processus de cancérogenèse. Et je reviens, en fait, sur ce souhait que nous avons toujours, ce besoin que nous avons toujours de montrer des schémas simples. Schémas simples, en fait, pour essayer de caricaturer un processus qui est d'une formidable complexité. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'appréhende même pas à quel point ce processus est complexe, non seulement en termes biologiques, mais aussi, et je vais essayer de vous l'expliquer aussi aujourd'hui, en termes de prise en charge thérapeutique. Donc, ce qu'on sait, c'est clair, sur la base de ces 50 dernières années en recherche en cancérologie, de la biologie du cancer, c'est qu'effectivement, c'est un processus qui est formidablement complexe. Ça, on l'a bien compris. Après, pour aller plus loin que ça et pour comprendre quelle est sa complexité, ça prend effectivement un petit peu plus de temps. Et je vais essayer donc de vous donner au moins certains, puisque nous ne sommes pas tous biologistes dans la salle, loin de là, heureusement, certaines explications, en tout cas, à cette complexité. La première explication, c'est ce qu'on appelle l'origine monoclonale des cancers, en tout cas de la plupart des cancers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cancers, pour donc l'immense majorité d'entre eux, ont une caractéristique par rapport à beaucoup d'autres pathologies, c'est qu'ils sont initiés par un événement qui va se produire dans une cellule, une cellule de notre organisme, c'est-à-dire une cellule parmi les 60 000 milliards de cellules qui composent notre organisme. Cet événement initiateur, Marc l'a rappelé tout à l'heure, c'est le plus souvent un événement, c'est toujours ce fameux schéma de la cellule que vous avez ici, qui provient de la revue prestigieuse de Hanahan et Weinberg, essayant de retracer les principales étapes de le processus de progression tumorale, eh bien, cette mutation, puisqu'il s'agit le plus souvent d'une mutation acquise, donc au sein d'une cellule de l'organisme, va affecter généralement, parce que c'est l'événement initiateur de ce processus de cancérogenèse, un de ces gènes qui code pour un facteur clé de ce qu'on appelle les voies de signalisation mitogénique, c'est-à-dire un facteur qui contrôle le processus de division cellulaire. Un récepteur pour un facteur de croissance, un messager cytoplasmique, une protéine, facteur de transcription au niveau nucléaire qui contrôle l'expression de certains autres gènes, ou bien des effecteurs du cycle cellulaire, par exemple. Bref, quelle que soit la nature exacte de ce facteur, eh bien, cette cellule, du fait de cette anomalie, va commencer à se diviser, et ce, de façon anormale. C'est-à-dire qu'elle prend sur elle, pour être tout à fait caricatural, elle prend sur elle la décision de se diviser et n'obéit pas plus à l'organisme dans son ensemble et aux besoins de l'organisme dans son ensemble. Et ceci va donc produire quelques générations cellulaires. Alors, il faut savoir que, parce qu'en fait, nos cellules sont soumises constamment à des stress génotoxiques, qu'ils soient d'origine endogène ou exogène, notre propre métabolisme et source de radicaux libres, par exemple, qui peuvent altérer l'ADN de nos cellules, et puis évidemment, toutes les sources exogènes, que l'on accepte ou que l'on n'accepte pas, mais qu'en tout cas, on doit d'endurer, eh bien, il s'avère que quotidiennement, au sein de nos cellules,
ces cellules vont acquérir des altérations de l'ADN qui, heureusement, le plus souvent vont être réparées par des processus spécifiques de réparation de l'ADN qui sont d'une extrême efficacité. Et puis, même s'ils ne sont pas réparés, eh bien, il s'avère en fait que cette séquence d'événements va se produire donc extrêmement fréquemment sans pour autant être à l'initiation d'un processus de cancérogénèse pour la simple raison que nous sommes des organismes bien faits. C'est pour ça que nous sommes encore ici tous ensemble. Et en particulier, il existe des systèmes de protection qui sont capables donc de bloquer ce processus qui pourrait à terme initier le développement d'un cancer. Ces processus, ils peuvent être de deux grands types, soit des processus extrinsèques aux cellules donc affectées, et je fais référence évidemment à l'immunosurveillance, et vous n'êtes évidemment pas sans ignorer ce qu'on appelle encore une révolution dans le domaine de la cancérologie, je reviendrai sur ce terme d'évolution ou de révolution, des révolutions en termes de prise en charge thérapeutique, par en fait la caractérisation de certains inhibiteurs du dialogue et de reconnaissance des cellules cancéreuses par les systèmes immunitaires, a été à l'origine donc d'approches nouvelles d'immunothérapie, ces fameux inhibiteurs de checkpoint, et ce qui a donc conduit au dernier prix Nobel de médecine. Donc il y a des processus de sauvegarde externes aux cellules affectées, puis il y a effectivement, évidemment, des processus de sauvegarde qui sont en fait intrinsèques aux cellules affectées, et je pense particulièrement aux voies, je suis désolé pour la qualité absolument terrible de cette diapositive, mais aux voies qu'on appelle oncosuppressives, dépendantes notamment d'une protéine bien connue dans le domaine de la cancérologie depuis déjà quelques décennies, qui est la protéine P53. En fait, il s'avère que ces divisions qui sont mal contrôlées vont provoquer des cassures de l'ADN du fait de réplications anormales, provoquer des cassures de l'ADN qui sont un signal en fait d'alarme pour la cellule qui va activer, enfin ce signal va activer donc ces voies oncosuppressives notamment contrôlées par P53 conduisant la cellule soit vers un suicide, une mort cellulaire programmée qu'on appelle apoptose, soit vers une sénescence, un vieillissement prématuré, un arrêt définitif du cycle cellulaire. Ce qui permet en fait de préserver l'intégrité de notre organisme. Donc il faut savoir que ces événements effectivement initiateurs sont très fréquents dans notre organisme, ils sont probablement quotidiens dans notre organisme, mais du fait de l'efficacité des systèmes de réparation de l'ADN, du fait de ces systèmes de surveillance, immunosurveillance, P53, etc., etc., eh bien le plus souvent, eh bien ceci ne conduit pas au développement d'un cancer. Donc en termes de processus de développement tumoral, probablement une étape absolument clé, critique, et donc extrêmement délétère, c'est l'inactivation de ces systèmes de sauvegarde. Dans le cadre de P53, on sait que cette inactivation, elle se fait le plus souvent par mutation, en fait, mutation d'une copie du gène, et puis délétion de l'autre copie du gène, ce qui provoque donc l'inactivation, tout au moins partielle, de ces systèmes de sauvegarde. Et l'importance de ces systèmes de sauvegarde est démontrée par la très grande fréquence des mutations de ce gène dans les cancers humains. C'est en fait le gène le plus souvent altéré, inactivé dans les cancers humains, ce qui montre, et on considère en fait aujourd'hui, que probablement l'inactivation de ces voies de protection, de ces systèmes oncosuppresseurs, est une étape essentielle, voire peut-être obligatoire, du développement d'un cancer, par mutation ou par d'autres processus. Donc en cas d'une inactivation de ces systèmes de sauvegarde, la cellule ici pourra reprendre ses divisions aberrantes et donc produire de nouvelles générations cellulaires. Et au cours de ces nouvelles générations cellulaires, cette cellule qui n'était pas encore cancéreuse, qui était pré-cancéreuse tout au plus, eh bien va pouvoir acquérir de nouvelles mutations. Et l'acquisition de ces nouvelles mutations va s'appuyer sur l'émergence de ce qu'on appelle une instabilité du génome de ces cellules, donc en voie de transformation, c'est-à-dire une augmentation du taux de mutation spontanée, en particulier du fait de l'inactivation de ces systèmes de sauvegarde. C'est une des conséquences de l'inactivation des systèmes de sauvegarde dont je parlais tout à l'heure. Et donc cette augmentation du taux de mutation spontanée va favoriser l'émergence de différentes mutations, augmentant le risque que certaines de ces mutations affectent les oncogènes et gènes suppresseurs de tumeurs dont Marc parlait lors de son introduction. Production, ce qui va donner certains avantages de prolifération et de survie à ces cellules, et à terme, donc au travers de phases d'expansion clonale, va donner lieu à une tumeur, donc une tumeur primaire, donc au sein de l'organisme. Cette tumeur primaire, comme vous le savez, pourra également voir une évolution qui sera extrêmement délétère en termes d'évolution clinique,
qui est que certaines de ces cellules cancéreuses pourront acquérir des propriétés d'invasion, de motilité cellulaire, qui vont leur permettre de disséminer à distance pour former des métastases. Et ceci m'amène à une notion qui est extrêmement importante en cancérologie et qui s'est beaucoup développée au cours de ces 15 dernières années. Quand je vous dis tout à l'heure, en partie fausse, mais au moins utilisable, selon les termes de Paul Valéry, elle était en partie fausse, toute cette notion, parce qu'en fait, j'ai restreint toute cette histoire de la complexité biologique des cancers à un problème mutationnel. Or, le développement d'un cancer ne repose pas que sur une accumulation progressive de mutations. On ne peut pas résumer le processus de cancérogénèse juste par une accumulation de mutations. Cette accumulation de mutations est nécessaire au développement, elle n'est pas suffisante au développement d'un cancer. Il y a des processus donc d'autres ordres, de type épigénétique, qui vont inactiver certains gènes suppresseurs de tumeurs, mais aussi de type interaction cellule-cellule. Interaction entre cellules cancéreuses, interaction des cellules précancéreuses d'ailleurs, ou cancéreuses avec leur environnement. Que ce soit l'environnement dans lequel ils sont, ce qui est indispensable pour le développement d'une tumeur, par exemple pour le développement du processus d'angiogénèse, c'est-à-dire la nécessité pour une lésion qui est en train de se développer, d'acquérir les nutriments et l'oxygène qui lui est nécessaire pour pouvoir s'expandre au travers de la formation de nouveaux vaisseaux. Et ceci repose essentiellement sur des problèmes d'interaction des cellules cancéreuses avec les cellules environnantes, en particulier avec les cellules endothéliales. Et au cours de ce processus de dissémination métastatique, il y a énormément de problèmes d'interaction cellule-cellule, quasiment à chacune étape de ce processus complexe. Interaction des cellules cancéreuses avec les cellules stromales environnantes pour leur permettre de se frayer un chemin au cours de l'invasion. Interaction avec les cellules endothéliales pour rentrer dans les vaisseaux sanguins ou lymphatiques. Interaction avec les macrophages, avec les plaquettes, que ce soit toujours pour le processus d'intravasation ou pour le processus de dissémination, par exemple dans le flux sanguin. Interaction avec les cellules qu'elle va rencontrer, cette cellules cancéreuses métastatiques, au niveau du site de métastase. Beaucoup de processus d'interaction. Et au-delà de ces processus d'interaction, il y a également des processus de plasticité cellulaire qui jouent un rôle fondamental dans le développement d'un cancer. En effet, pour que cette cellule, en fait, puisse franchir les différentes étapes de la dissémination métastatique, elle doit survivre. Elle doit s'adapter à des conditions qui sont des conditions qu'elle ne connaissait pas dans tissu primaire. À toutes ces étapes, elle doit être capable de s'adapter. Et elle peut s'adapter par une reprogrammation, c'est-à-dire un changement d'état de la cellule. Et probablement le processus le mieux connu dans ce contexte-là s'appelle le processus de transition épithélio-mésenchymateuse, processus qui m'est cher, et qui est un processus embryonnaire qui est réactivé dans certains types, hein, pas tous, mais dans certains cas de cancer, et qui va donc conduire à une reprogrammation totale de la cellule. Il ne s'agit pas de mutation, c'est une reprogrammation, un changement d'état de la cellule, si vous voulez, une plasticité, qui va conférer à cette cellule d'abord épithéliale des propriétés de cellules mésenchymateuses, avec notamment une capacité de motilité et de survie accru, ce qui va donc favoriser cette dissémination métastatique, tout au moins dans les phases précoces de la métastase. Il s'avère de façon intéressante que ce processus de plasticité, et en particulier ce processus de transition épithélio-mésenchymateuse, a été montré par nous et par beaucoup, beaucoup d'autres comme étant impliqué dans les processus de résistance au traitement, que ce soit les chimiothérapies conventionnelles, que ce soit les thérapeutiques ciblées, que ce soit la radiothérapie, et il y a même maintenant des data extrêmement récents qui montrent qu'il serait également impliqué dans la résistance à certaines immunothérapies. Tout ça parce que ces processus de reprogrammation donnent aux cellules cancéreuses des capacités d'adaptation anormales. Alors j'en viens évidemment au problème de la médecine de précision. Je vous l'ai expliqué, ce processus, en quelques minutes, je l'ai caricaturé, mais j'ai essayé de vous expliquer en tout cas, de vous faire entrevoir à quel point il est complexe. Et je le répète, je pense qu'il est beaucoup plus complexe encore que ce qu'on comprend aujourd'hui. Il est extrêmement complexe. Il ne s'agit pas simplement d'un processus mutationnel. Et puis, on va parler évidemment des processus d'hétérogénéité qui jouent un rôle absolument fondamental, qui ont des conséquences fondamentales dans la prise en charge thérapeutique des patients atteints de cancer. Alors, est-ce que ça veut dire que cette complexité rend toutes ces nouvelles connaissances inutilisables? Je ne crois pas. On fait ce qu'on peut faire aujourd'hui.
Donc on fait les analyses moléculaires dont on a déjà largement parlé. On fait des analyses moléculaires sur un échantillon tumoral. Quand je dis sur un échantillon tumoral, c'est-à-dire non pas sur l'intégralité de la tumeur, bien entendu, mais sur un échantillon de cette tumeur. Et quand je dis ça, ça veut dire qu'on fait une étude sur une soupe de cellules qui contient des cellules cancéreuses et qui contient évidemment d'autres cellules, que ce soit les cellules stromales, que ce soit les cellules immunitaires qui sont infiltrées dans la tumeur, etc. Mais donc, on sait faire de très belles analyses moléculaires. Et je dis ça sans aucune ironie en tant que biologiste. Je pense effectivement que c'est un réel progrès, comme on le verra dans un instant, pour le diagnostic notamment des cancers. Donc on peut faire, comme l'a dit tout à l'heure Marc, on peut faire des profils d'expression génique, ce qui est quand même quelque chose d'inimaginable, était inimaginable il y a encore une vingtaine d'années, c'est-à-dire qu'on est capable de mesurer, d'évaluer l'expression de tous les gènes de notre génome dans un tissu donné, en particulier dans un échantillon tumoral, donc faire un profil d'expression génique, et on peut également, par séquençage, faire des profils mutationnels. Évidemment, ça ne passe pas encore en clinique aujourd'hui, mais on est capable de faire l'analyse mutationnelle sur le génome entier maintenant d'une tumeur, et en particulier, grâce au soutien de l'Institut national du cancer, ce sont des choses qui sont faites dans le cadre plus souvent de réseaux internationaux, pour essayer véritablement de faire un catalogue très exhaustif de toutes les mutations qui peuvent se produire dans un sous-type de cancer donné. Donc tout ça, ce sont des progrès qui sont extrêmement importants en termes de compréhension des processus de cancérogénèse. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut en attendre réellement en clinique? Ça a été dit, bien sûr, le diagnostic moléculaire, profil d'expression génique, profil mutationnel, comme il a été très bien dit tout à l'heure, s'ajoute, complémente aujourd'hui le diagnostic histologique, qui est souvent déjà associé à différentes, d'ailleurs, analyses plus spécifiques qui sont faites par les anatomopathologistes, dont certains sont dans la salle. Et j'insiste bien sur le fait que, contrairement à ce qui a pu être prédit par certains il y a une dizaine d'années, en rien le diagnostic moléculaire aujourd'hui ne se substitue à ces analyses histologiques. Elles complémentent avec donc le résultat qui est, je pense, bien démontré dans un grand nombre de cancers, qu'effectivement, on arrive à une classification plus fine en termes de diagnostic pour arriver à une stratification des patients ou des patientes, une meilleure stratification des patientes, à même, du moins on l'espère, d'adapter la thérapeutique pour chacun d'entre eux ou pour chacun d'entre elles. J'insiste sur ce terme de stratification, qu'en l'occurrence, je n'aime pas du tout. Le mot est très moche, bon. Mais je pense qu'il est quand même beaucoup plus précis, en tout cas, que de personnalisation ou d'individualisation. On en est aujourd'hui, grâce à ce diagnostic moléculaire associé au diagnostic histologique, à une stratification des patients, pour la bonne et simple raison qu'on est en train de parler de sous-population de patients. Et on n'en est pas à une médecine, donc à un diagnostic personnalisé ou individualisé. Je reviendrai sur cette notion. Et puis, bien entendu, la deuxième conséquence, enfin, une des conséquences de l'avancée des connaissances, c'est ce qui est intéressant quand même conceptuellement, quand on considère qu'en fait, on est arrivé à ce dogme de la thérapeutique ciblée, extrêmement simple au départ, qui était, OK, on a une mutation dans une tumeur et on va mettre en face une drogue. C'est intéressant quand même de considérer que tout ça provient en fait du fait qu'on commence à mieux comprendre la complexité phénoménale de ces pathologies. Donc, dans le même temps, on comprend la complexité phénoménale de ces pathologies et on amène une nouvelle idée qui est qu'on va réduire une tumeur à une mutation. En tout cas, c'est donc ce qui a été à la base du développement de thérapeutiques ciblées. Donc, à partir du moment où on est capable d'identifier une mutation causale, à partir du moment où on est capable de conceptualiser une molécule qui va agir sur cette mutation causale, on a potentiellement en main une thérapeutique qui va être efficace et potentiellement spécifique pour cette cellule cancéreuse. Cette notion, évidemment, est associée à la notion de théranostic, puisqu'on attend, évidemment, que seuls les patients qui présentent l'événement ciblé dans leur cellule cancéreuse puissent bénéficier de cette thérapeutique ciblée. Entendons-nous bien, je pense que les thérapeutiques ciblées, en tout cas dans certains types de cancers, de façon absolument indéniable, constituent une très forte évolution de la prise en charge thérapeutique des patients dans certains sous-types de cancers. Marc a parlé tout à l'heure évidemment du Glivec, qui est quelque part la preuve de concept des thérapeutiques ciblées,
qui de façon intéressante pour une thérapeutique ciblée, comme vous le savez probablement, est également tout à fait efficace pour d'autres types de tumeurs qui présentent des mutations de gènes différents, tels que les gystes, mais il s'agit d'une formidable progression en termes thérapeutiques, au-delà du fait qu'on utilise la même thérapeutique ciblée pour deux événements différents et pour deux tumeurs différentes. Dans les cancers du sein, au travers évidemment du ciblage de ERBB2, en tout cas pour les cancers du sein et de l'ovaire qui présentent ce type d'altération, ou dans les cancers, dans les mélanomes sur lesquels je reviendrai. Donc très clairement, ces thérapeutiques ciblées ont montré dans certains sous-types tumoraux une vraie efficacité, avec des survies, que ce soit globales ou sans progression, en absence de progression, qui sont supérieures aux thérapeutiques, aux chimiothérapies conventionnelles. Maintenant, bien sûr qu'il y a des limites à ces thérapeutiques ciblées. Première chose, c'est qu'on ne dispose pas toujours de mutations dites activables, donc ciblables. Par ailleurs, on sait que pour être efficace, en fait, la thérapeutique doit cibler une anomalie précoce et causale. Encore faut-il arriver à identifier une anomalie précoce et causale. L'efficacité du ciblage d'une mutation donnée est affectée par le contexte cellulaire. À un moment, on a dit, en fait, on va complètement oublier tout ce qu'on sait sur les cancers, donc non seulement on oublie les pathologies, mais en fait on va même plus prendre en compte le tissu dans lequel se développe cette tumeur. Et on va juste prendre en compte la mutation. Qu'elle se passe dans un cancer du poumon, un cancer du côlon ou un cancer du sein, peu importe, on a un médicament qui cible cette mutation. On a vu que ce n'était pas tout à fait vrai. Les très bons exemples, c'est les mutations de BRAF qui sont très fréquentes dans les mélanomes, où on le verra. On a effectivement maintenant plusieurs d'ailleurs médicaments qui sont efficaces contre cette mutation dans le contexte du mélanome. Ce sont des mutations qu'on retrouve beaucoup plus rarement, mais qu'on retrouve dans d'autres types de cancers, tels que les cancers du côlon. Et là, on assiste en fait à des réponses qui le plus souvent sont totalement négatives. Et puis enfin, l'instabilité génétique des tumeurs augmente le risque de résistance et de rechute. Et je vais très largement revenir sur cette donnée. Je pense que beaucoup d'entre vous, en tout cas, connaissent ces photographies qui illustrent en fait véritablement à la fois le potentiel de ces thérapeutiques ciblées, mais aussi leurs limites. Il s'agit d'un homme jeune de 38 ans avec un mélanome, donc hautement métastatique, métastase multiple, et avec donc un très grand nombre de nodules cutanés. Comme malheureusement, il arrive souvent dans le cadre de ces mélanomes évolués, résistants à toute thérapeutique conventionnelle. Il s'avère que ces cellules cancéreuses ont une mutation, qui est la mutation que je citais tout à l'heure, BRAF-V600, mutation fréquente dans les cancers du côlon, pour lequel il existe maintenant donc certains médicaments, en particulier le Vemurafenib, qui est capable de cibler de façon spécifique cette mutation. Ce cancer, résistant à toute thérapeutique connue jusqu'alors, présente donc une régression complète de ces métastases et ces nodules cutanés en 15 semaines de traitement. Résultat extrêmement spectaculaire. Miracle, il n'y en a pas, je pense, en médecine et en biologie. 23 semaines de traitement, toutes les récidives, il y avait une récidive sur tous les nodules cutanés et récidives viscérales. Pourquoi ? Parce qu'il s'avérait que dans chacun de ces nodules métastatiques, eh bien, certaines, en tout cas dans la plupart d'entre eux, certaines cellules, probablement en nombre tout à fait minoritaire en l'occurrence, certaines cellules présentaient non seulement une mutation de BRAF qui était ciblée par la thérapeutique, mais présentaient une autre mutation, et là on voit toute la malignité des cellules cancéreuses, présentaient une autre mutation sur la même voie de signalisation mitogénique, juste en aval de BRAF qui s'appelle MEC. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait avec le traitement par thérapeutique ciblée ? On s'est effectivement débarrassé de la majorité des cellules qui présentaient seulement, entre guillemets, la mutation de BRAF. Et on a donc, en fait, sélectionné les cellules cancéreuses qui présentaient cette mutation supplémentaire de MEC1, et ce qui a permis donc la récidive de ces tumeurs. Comment on peut l'expliquer maintenant avec nos beaux schémas simplificateurs ? Je reviens donc à ce schéma avec cette étape critique qui est donc l'inactivation des systèmes de sauvegarde, l'apparition d'une instabilité génétique qui va favoriser donc ces divisions cellulaires, favoriser donc les mutations qui vont affecter d'autres oncogènes, gènes suppresseurs de tumeurs, qui vont donc provoquer par ce qu'on appelle des phases d'expansion clonale, le développement de la tumeur primaire. Mais du fait de cette instabilité génétique, eh bien, ces mutations vont se produire dans cette cellule, mais aussi dans celle-ci, puis aussi dans ce sous-clone qui est apparu ici, dans celle-ci, puis dans ces autres sous-clones, dans celle-ci, etc. Si ces mutations affectent des oncogènes, chaînes suppresseurs de tumeurs, vont donc donner de nouveaux avantages de croissance, ce qui va donc concourir à la survenue de différents sous-clones.
Donc en fait, un cancer, au-delà du fait qu'il n'est pas composé que de cellules cancéreuses, mais est composé de cellules cancéreuses qui ne sont pas toutes les mêmes. Une cellule cancéreuse d'une même tumeur n'est pas exactement la même que la cellule voisine dans cette même tumeur. Et on assiste en effet, ceci est dû en effet à ce qu'on appelle une évolution branchée au cours de ce processus de cancérogénèse. Évidemment, cette notion d'évolution branchée fait référence à l'évolution, à la théorie de l'évolution des espèces selon Charles Darwin, appliquée ici donc à un processus de cancérisation qui amène donc cette formation en fait d'une tumeur comme un regroupement, une soupe de différents sous-clones, avec évidemment certains événements communs, toutes les mutations qui se sont produites de façon précoce, et en particulier cette mutation initiatrice, mais également avec des différences dans les sous-clones, qui sont toutes les mutations qui se sont produites secondairement en termes chronologiques au cours du développement tumoral, mais secondairement en termes chronologiques ne veut pas obligatoirement dire secondaire en termes de conséquences biologiques et donc de conséquences cliniques, puisque certaines d'entre elles pourront amener une agressivité supérieure, certaines d'entre elles pourront amener une capacité à ces cellules à résister à la thérapeutique dont on veut faire bénéficier le patient. Et ceci, je vais aller très vite, je ne sais pas du tout où je suis dans mon temps, mais... 25. Donc il me reste, je dois finir en fait. Donc je vais aller... C'est une habitude. J'entends le rire de Patrick, évidemment, qui se moque de moi, parce que sinon je ne peux pas faire une présentation sans dépasser mon temps. Je suis bien obligé de l'admettre un jour, Patrick. Donc je vais aller très vite. Ceci a été parfaitement démontré dans un très grand nombre de cancers. Et je pense que la plupart d'entre vous connaissent cette fameuse publication de l'équipe de Charlie Swanton en 2012 qui a démontré par séquençage justement cette hétérogénéité et en reprenant réellement donc ces arbres phylogénétiques donc proposés par Charles Darwin qui a retracé l'histoire moléculaire des cancers. Donc avec des mutations différentes selon la région de la tumeur primaire que l'on analyse et selon le fait que c'est une métastase ou une tumeur primaire. Et ceci a été, comme je disais tout à l'heure, maintenant démontré dans un très grand nombre de cancers. J'insiste juste, quand même, ce n'est pas tout à fait anecdotique d'ailleurs, sur le fait que cette notion, en fait, n'est absolument pas nouvelle, là encore. En biologie, on aime bien recherche, on aime bien reprendre en fait ce qui est déjà connu conceptuellement. Ça, on l'a démontré aujourd'hui. Mais en fait, dès 1976, Peter Nowell avait expliqué ce processus donc branché de l'évolution des cancers. Donc ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'une tumeur, donc, c'est pas quelque chose de simple, et que si même on le simplifie en restreignant l'analyse des cellules cancéreuses, eh bien ça veut dire qu'en fonction donc, de la localisation de l'échantillon que vous allez utiliser, vous allez voir des différences en termes de mutations que vous allez retrouver. Différences qui peuvent être très significatives. Donc il y a une hétérogénéité intratumorale spatiale. Et pour complexifier encore tout ça, cette hétérogénéité, cette diversité génétique, elle était évolutive au cours du développement de la pathologie. Et donc ça a été très très bien démontré dans différents types de cancers, en particulier dans les tumeurs hématopoïétiques, mais aussi dans les tumeurs solides. J'ai souvent l'habitude de comparer la recherche, et en particulier la recherche cancérologie, à une course de haies. C'est une course parce qu'il faut aller vite quand on connaît les enjeux, évidemment, qui sont derrière en termes de santé publique. Et je pense qu'on avance. Et c'est quand même bon de rappeler qu'on avance même de façon très significative en termes de qualité de prise en charge thérapeutique des patients atteints de cancer. Ceci grâce, évidemment, à différentes évolutions en termes de chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie. Et je pense clairement, et vraiment, je le dis avec force, que les thérapeutiques ciblées et les immunothérapies font partie de ces évolutions et ont permis de franchir une nouvelle haie. Maintenant, comme toujours, en recherche en cancérologie, eh bien, dès qu'on franchit une haie, on se rend compte, à peine le pied reposé, qu'on doit en franchir une autre. Et c'est exactement ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc, progrès. Indéniablement, je vous ai présenté un cas évidemment très, entre guillemets, spectaculaire, avec tout le respect évidemment pour le patient concerné, mais un très spectaculaire, ce qui se déterminait mal, mais il ne faut pas oublier derrière ça qu'effectivement, les thérapeutiques ciblées et les immunothérapies, même dans un cas très complexe de pathologie cancéreuse en termes de prise en charge thérapeutique, que sont les mélanomes métastatiques, ont amené des progrès très significatifs par rapport aux thérapeutiques aux chimiothérapies conventionnelles. Mais oui, on a à faire face à des vraies difficultés. On est devant maintenant une nouvelle haie, en attendant la prochaine. Une nouvelle haie. Parce qu'on a des défis qui sont majeurs en termes de médecine de précision. La première, c'est de l'hétérogénéité intertumorale, bien entendu, qu'il ne faut pas oublier, qui est due à la diversité des événements qui peuvent se produire
chez un patient par rapport à un autre, même pour ce qu'on considère être le même type de cancer. Je pense qu'au niveau moléculaire, un cancer ne ressemble jamais de façon exacte à un autre. D'où la nécessité d'une médecine personnalisée. Mais aujourd'hui, même si on peut considérer que la relation médecin-patient est personnalisée, très clairement, le diagnostic aujourd'hui est stratifié. Deuxième enjeu et deuxième obstacle à passer, l'hétérogénéité intertumorale, du fait qu'il y a une diversité, une multiplicité des événements au sein d'une même tumeur. Ce qui rend à la fois le diagnostic moléculaire très complexe. Je vous rappelle, si vous prenez un échantillon sur la partie, le cadran droit d'une tumeur en haut à droite, et vous n'aurez pas exactement en fait les mêmes mutations, probablement vous allez voir les mutations communes, à certaines mutations communes, mais d'autres mutations supplémentaires si vous allez chercher dans une autre région de la tumeur. Donc le diagnostic moléculaire reste extrêmement complexe et qui rend évidemment très difficile cette notion de thérapeutique ciblée si on considère la tumeur dans toute sa complexité et qu'on ne la restreint pas juste à une mutation, même si elle participe de façon active au phénomène de cancérogénèse. Et troisième complexité, la plasticité des cellules cancéreuses, par exemple par le processus de transition épithélio-mésenchyme ou d'autres, qui vont donner des capacités anormales d'adaptation de ces cellules cancéreuses tout au long du développement de la tumeur et en particulier face à une thérapeutique donc anticancéreuse. Donc, médecine de précision, je pense qu'on évolue vers une médecine de précision. Mais je pense très clairement qu'il nous est très difficile aujourd'hui de réellement appréhender la complexité d'une situation, ce qui fait qu'il nous est difficile de prédire ce qui va réellement arriver. Donc, on est dans une médecine de précision relative, mais quelque part améliorée. Je terminerai évidemment par rendre hommage à deux personnes qui ont été véritablement à la base de la théorie de l'évolution des espèces. J'ai déjà parlé de Charles Darwin qui avait, en fait, pour être très caricatural, une vision assez génétique de cette évolution. On oublie souvent Jean-Baptiste de Lamarck qui, dès le XVIIIe siècle, faisant de travaux assez différents de ceux de Charles Darwin, en l'occurrence même très différents, avait une vision qu'on pourrait peut-être appeler décrire plus épigénétique, en fait, de l'évolution des espèces. Mais les deux, en fait, ont eu comme point commun de mettre au cœur du processus d'évolution des espèces la nécessité de s'adapter à son environnement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, je pense, s'applique extrêmement bien aux pathologies cancéreuses. On attribue à Charles Darwin, parce qu'il paraît en fait que c'est un élève de Charles Darwin qui l'aurait écrite, cette phrase: les espèces qui survivent ne sont ni les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. C'est très exactement ce qui se passe en termes de processus de cancérogénèse. En fait, on peut très bien appréhender une population de cellules cancéreuses comme une population de micro-organismes, donc un écosystème, avec cette population dans son biotope, cette population va évoluer en fonction des pressions de sélection qui lui sont soumises. Et je répète, pressions qui peuvent être endogènes, si je reviens sur les cellules cancéreuses, ou exogènes au travers des thérapeutiques. Et cette capacité d'adaptation, soit par une adaptation de type plasticité, la cellule va changer d'état et devenir résistante, soit par sélection de certaines sous-populations, est en fait ce qui, je pense, drive, pour prendre un anglicisme cher aux biologistes, tout le développement tumoral et au-delà du développement en termes de biologie. C'est ce qui va conduire l'histoire clinique de la pathologie. Et donc, en fait, ici, je pense qu'on en est aussi bien à parler de biologie que de sociologie, en l'occurrence. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. Nous avons deux possibilités. La première, c'est de poser des questions. Et la deuxième, c'est évidemment de respecter le temps de pause. Donc, je vous laisse absolument le choix, puisque l'exposé a duré 33 minutes, presque 34 minutes. C'est une possibilité. Ce qui pour moi est plutôt un exploit personnel, en fait. Donc, est-ce que... Non, on peut peut-être prendre le café, on discutera dehors, ça ira très très bien. Merci pour votre exposé que j'ai trouvé en tout cas extrêmement clair. Et je voulais juste
peut-être en lien avec la présentation d'avant, reprendre ce moment où vous nous avez dit, j'ai pas noté les termes exacts, mais vous nous avez dit finalement, plus on s'intéresse à ce processus de tumorigénèse, enfin de cancer, plus on décrit des phénomènes compliqués avec de la plasticité, avec de la l'hétérogénéité tumorale. Enfin, vous nous en avez donné une vision que j'ai trouvée fort éclairante. Et pourtant, c'est à ce moment-là qu'on a ces thérapies qui seraient explicables par une mutation unique, alors qu'on n'arrête pas de décrire la complexité. Alors, je fais un peu le lien avec ce que nous a proposé comme hypothèse Patrice Pinel tout à l'heure sur le fait que la montée de cette médecine personnalisée serait peut-être une forme de stratégie d'une certaine profession d'oncologues médicaux pour pouvoir continuer à asseoir d'une nouvelle génération sa domination sur le système. Finalement, mon interrogation, c'est comment vous commenteriez, vous nous en avez donné un peu des pistes, mais la position des biologistes qui sont, alors je ne sais pas si vous êtes vous-même oncologue, mais en tout cas de ce rapport entre la recherche peut-être plus scientifique, au sens le moins médical du terme, et la pratique de l'oncologie médicale. Et est-ce que c'est parce que, de toute façon, même si on pense que ça ne marche pas, il y a sûrement il y a quelques cas où ça marche bien, et on est quand même très content de pouvoir se dire qu'au moins il y a ces cas-là qui marchent. Court. Bon, voilà. Je vais essayer de faire le plus court possible pour ne pas me faire enguirlander encore, mais c'est vraiment un débat extrêmement intéressant. Une phrase sur, effectivement, je trouve ça très intéressant, ce qui s'est passé au cours de ces dernières années autour, en fait, du séquençage, on va en parler plus précisément. C'est intéressant de voir que le même développement technologique a conduit à la fois à cette notion de thérapeutique ciblée et à la fois, en fait, à l'identification de la principale barrière qui s'oppose, qui est la limite, hein, ça ne veut pas dire qu'il y en a qui ne marchent pas, mais la limite de la thérapeutique ciblée, qui est l'hétérogénéité intratumorale. Première chose. La deuxième chose, par rapport à donc, l'exposé de tout à l'heure, que j'ai trouvé vraiment extrêmement intéressant, moi j'aimerais ajouter quand même une autre notion, si je peux me permettre, et avec énormément de modestie, parce que je n'en ai absolument pas les compétences, c'est juste ma vision des choses. Je crois facilement à cette lutte d'influence entre différentes personnes qui travaillent dans le milieu, et en particulier des acteurs médicaux. Je pense aussi qu'il ne faut peut-être pas oublier ce que j'appellerais être un besoin de notre société. Face à une pathologie qui est une pathologie qui fait peur, face à une pathologie qui est encore une pathologie le plus souvent en fait taboue, auquel on a des difficultés en fait à parler du cancer, et en particulier de son cancer ou du cancer des proches. Et devant cette anxiété que le mot cancer porte, je pense que nous avons tous besoin d'entendre des messages qui sont des messages d'optimisme. Et donc, je crois réellement que ceci a une influence. Bien entendu, je ne suis pas d'une naïveté absolue, et bien entendu que de ce besoin, certains en tirent un certain bénéfice. Ça, j'en suis absolument convaincu. Mais peut-être que la raison quand même profonde de cette sémantique qui va très vite, et je suis absolument d'accord, jusqu'à donc la révolution de la prise en charge thérapeutique, et qui, en fait, à la radio, tous les 15 jours, on entend qu'il y a quelque chose qui va révolutionner soit le diagnostic, soit la prise en charge thérapeutique. Il y a peut-être un besoin qui nous est propre d'entendre, en fait, que devant ces pathologies qui font peur, pour lesquelles beaucoup d'entre nous pensent que la population générale, qu'elles sont en pleine recrudescence, on pourrait discuter de ce problème particulier, mais en tout cas, c'est la notion que les gens ont, ils ont besoin d'entendre, mais les choses s'améliorent. Et non seulement s'améliorent, mais on va devant des révolutions. Et je pense que ce besoin explique probablement cette communication, qui est parfois, c'est vrai, peut-être un peu exagérée, sans remettre en cause, je tiens vraiment à insister, les évolutions très significatives. Et la dernière phrase que j'aimerais ajouter, c'est quand même que tout ceci, pour un biologiste comme moi, comme un chercheur, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important, ce qui est en train de se passer. Vous retournez, moi, ça fait 25 ans que je fais de la recherche en cancérologie. Il y a encore 15 ans, quels étaient réellement l'apport de la recherche fondamentale et cognitive en cancérologie sur la prise en charge thérapeutique ou le diagnostic des cancers. Je ne dirais pas qu'il est nul, il était nul, mais il y approchait quand même.
on accumulait des connaissances sans aucune conséquence en termes de prise en charge thérapeutique. Aujourd'hui, tout ce dont on a parlé proviennent quand même des nouvelles connaissances que nous avons pu accumuler au cours de ces 25 dernières années. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, est nouveau et qui est extrêmement prometteur pour la suite. Donc, malgré ce paradoxe dont je parlais tout à l'heure, je crois fondamentalement que l'accumulation des connaissances se traduit et se traduira par de nouvelles évolutions en termes de prise en charge thérapeutique. Juste avant de la pause, je voudrais juste souligner et mettre en évidence un point terminologique qui me semble n'est pas simplement terminologique et qui n'est pas vraiment dans les deux exposés qui viennent d'être dits, qui n'a pas encore été vraiment éclairci. C'est tout le champ lexical de la stratification, de la personnalisation et de l'individualisation. Il me semble qu'on parle de la médecine personnalisée. Ce terme n'a pas encore été discuté, n'a pas encore été véritablement défini. Et j'en veux pour preuve ce flottement ou cet usage très proliférant et très différencié du terme de stratification, du terme de personnalisation. Vous avez d'ailleurs utilisé aussi le mot individualisation. Voilà, ce sont des termes qui, pour le coup, mériteraient d'être un tout petit peu clarifiés. Mais je suis très content de le savoir. Merci.